Français, peuple français, mon cœur pleure. Mon cœur pleure. Car pendant la Première et Deuxième Guerre mondiale, ce sont nos parents, les tirailleurs africains, qui ont libéré Paris. Car si les Africains, nos arrière-grands-parents tirailleurs, s'ils n'étaient pas venus libérer Paris, vous serez des Allemands, vous parlerez l'allemand et non la langue de Molière. Alors, nous avons affaire à des pyromanes qui tolèrent les dictateurs en Afrique, car le président Emmanuel Macron suit la même comédie que François Hollande, le corrompu qui a installé le mariage pour tous, car tous les dictateurs africains, ils se mettent en string. Quand ils viennent à l'Elysée, ils sont en string. Et quand ils vont aux toilettes, après derrière qui est? Et derrière eux, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron aime les dictateurs. Mais nous, nous en avons marre. Nous en avons marre des dictateurs qui tuent le peuple africain. Respectez le peuple africain. Pourquoi vous les tuez? À cause des minerais? Vous n'avez pas honte? Vous avez oublié la Première Guerre mondiale? Vous avez oublié la Deuxième Guerre mondiale? Il y en a marre! Emmanuel Macron! Emmanuel Macron, le pyromane! Arrête de mettre le feu en Afrique! Il y en a marre! L'Afrique doit être libérée! Alors, je demande au service de renseignement, donnez le message à Emmanuel Macron, qu'il dise à tous les dictateurs qu'ils ne se mettent plus en string! Quand ils viendront à Paris, maintenant, ils doivent porter des culottes en fer afin qu'ils puissent comprendre que le peuple africain ne veut plus d'eux. Le message est clair et net. Libérez l'Afrique. Il y en a marre. Dégagez de l'Afrique. Alors, Théodore Obiang, qui ressemble au derrière du sanglier, il doit dégager. Fornia Simé, qui ressemble au derrière du gorille, il doit dégager. Joseph Kabila, le roi des Tutsis, qui ressemble au derrière de la vache, il doit dégager. Sassou Nguesso, le reptilien avatar de mer, il doit dégager. Paul Biya, le porteur des couches, qui finit toutes les couches des entreprises en France, il doit dégager. Ali Bongo, le Biafra de mer, il doit dégager. Regardez sa bouche, on dirait la bouche d'un avatar. Il y en a marre. Le message est clair. Alors, peuple français, dites à Emmanuel Macron qu'il laisse le peuple africain tranquille. Dites à Emmanuel Macron que toutes les bases françaises en Afrique doivent dégager. Il tue le peuple africain. Il tue le peuple africain. Il y en a marre. Arrêtez de tuer les Africains. Arrêtez. Le message est clair et net. Voilà. Moi, je ne sais pas aussi, j'aime bien.